Les amis, vous savez que c'est bientôt fini l'école. Et que... Bon appétit, hein, Chris, en fait. Merci. Et dépêche-toi de manger, bientôt ça va être l'extinction des feux à l'internat. Et puis ils vont nous envoyer dans nos chambres. Mais du coup, ce que je voulais proposer, c'est que... On se rejoint tout à l'heure devant l'école après la ronde des surveillants dans l'internat. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait comme d'hab, t'inquiète, je prends le sandwich dans la poche. Oh mais les gars, vous avez pas peur de vous faire choper? C'est dangereux, il faudrait qu'on arrête là. En plus c'est le dernier jour. Oh là là, mais Harry, t'es trop relou, mec. Justement, c'est le dernier jour, alors on s'en moque un petit peu de se faire choper. Et puis bon, c'est pas comme si on avait déjà été plein de fois dans l'école en pleine nuit durant toute l'année, hein. Bon, c'est vrai que t'as pas été souvent là, mais regarde, il faut s'amuser un petit peu, hein, c'est bon, là. Oh, bon, d'accord. De toute façon, c'est la fin de l'année. Moi, j'ai déjà mon bac, pas comme vous. Oh, c'est bon, hein. De toute façon, le bac, ça sert plus à grand-chose de nos jours. Ah, merde. Ouais, bah ça veut dire qu'il y a l'extinction des feux là. Les gars, comme j'ai dit, on se donne rendez-vous devant l'école dès que la ronde des surveillants elle est finie ici. Et comme ça, on va faire un petit peu le bordel là pour ces derniers jours là. C'est bon, hein, les profs ils nous ont fait chier pendant toute l'année scolaire. Vite, avant qu'ils arrivent. À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est parti. Vas-y Catherine, viens. Vas-y Harry, bouge ton cul et arrête de péter. On éteint la lumière, on fait genre, on dort. Comme ça, on va pouvoir se lever dès que les surveillants y passent. Montez. Ah, c'est bon, elle est allée se coucher. Oh, c'est cool, il y a personne qui s'est fait choper par les surveillants, c'est cool ça. Bon, du coup, on fait quoi maintenant? Mais sinon, les gars, j'ai perdu mon sandwich en chemin, il y a pas un de vous qui l'a ramassé. Ton sandwich? Ah, dégueu, c'est là-dedans que j'ai marché, j'ai plein de maillots sur ma semelle, t'abuses, Chris. Hein. Oh, c'est bon là, on s'en moque de ton sandwich, on a des choses plus importantes à faire. Regardez, on est devant l'école, les portes sont encore ouvertes, il n'y a personne. C'est limite la dernière nuit qu'on va pouvoir passer ici à foutre le zbeul là, et vous parlez d'un vieux sandwich. Bon, les gars, écoutez-moi, moi ce que je peux vous proposer, c'est que on se divise en deux groupes. Il y a un groupe qui va aller chercher le gâteau de Madame Dupont dans la salle des professeurs, parce que comme elle est partie à la retraite, ils ont ramené v'là les gâteaux. Et le deuxième groupe, il va chercher les téléphones qui ont été confisqués dans la salle des objets. Est-ce que ça vous dit? Oh, et puis les gars, moi je vous emmerde, j'ai pris un hot dog en rab. Voilà. Niam, 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 niam. Selena, au pire, on va chercher les téléphones et on laisse les deux longs du cerveau ensemble pour aller chercher le gâteau. Avec l'odorat de Chris, ça ne doit pas être un problème. Après, j'espère qu'il va nous le ramener en entier. Yes, ça c'est plutôt une bonne idée. Toi et moi pour aller chercher les téléphones, mais c'est vrai, moi je fais pas vraiment super confiance à Chris pour aller chercher le gâteau, hein, parce qu'on risque de pas pouvoir en manger. Oh mais les gars, pourquoi vous faites pas confiance? Et puis, moi je m'en fous, je vais chercher le gâteau. À plus. Hein? Non mais, attends-moi, j'arrive. Bon ben, il reste plus que nous deux. Tu viens, on va aller chercher les téléphones. Ouais, c'est parti. Attends, je vais juste prévenir le groupe sur notre groupe Discord qu'on se rejoint dans une heure dans la salle de gym, c'est bon non? Oui, vas-y. Ah, c'est bon, Chris il m'a répondu, il a dit ok. Bon, je veux pas savoir ce qu'ils font, on va aller chercher les téléphones. A few moments later. Oh, c'est sûrement là où ils ont mis les téléphones. Tu penses que c'est là? Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, probablement, c'est le concierge. C'est là. La conciergerie, ouais, bah ça doit être là-bas, vas-y, viens. On va checker, on va chercher les téléphones de nos potes, là, qui sont fait confisquer. Il y a plein de cartons. Tu me dis si tu trouves quelque chose, hein.
Alors là, oula, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des slips là-dedans? Je veux même pas savoir. Ah. Oh, je prends un téléphone. Ah ouais, moi aussi. Bah, je pense qu'ils sont là, les téléphones, ouais. Vas-y, prends un max de téléphones dans tes poches. Hop. Prendre, hop, ça. Ah. Regarde, c'est téléphone à Jérémy. Vas-y, viens, on envoie un message à sa mère. Vas-y, envoie-lui les photos des slips, là. Oh! Ah ouais, trop bonne idée. Oh là là. En plus, je l'aime pas, Jérémy. Il arrête pas de manger des sandwichs à l'oignon et quand il est à côté de moi, il rote et ça pue vraiment. C'est horrible. J'avoue. Ça va pas être... Vas-y, envoie un message aux autres, là, pour leur dire que c'est bon, on a retrouvé les téléphones. Si, je leur envoie un message. Top, top, top. On a les téléphones, rendez-vous au gymnase. Voilà. Ah ouais, ils attendent quoi là pour répondre? Toujours pas de réponse. Et c'est bizarre, j'en vois aucun qui écrit alors qu'on a dit qu'on faisait ultra attention à bien s'envoyer des messages et tout là. Ils répondent pas, c'est trop chelou. Wesh, t'as entendu là? Ah, des cris, faudra aller vérifier. Non, je suis sûre, ils font les... Non, ils tombent pas dans leur piège, là, je suis sûre, ils font genre et tout pour nous faire peur. Ouais, c'est ça, ouais, ils ont cru, on était des cruches, quoi. Mais pourquoi t'es tombée? Ça va? Ah. T'aurais dû te voir en train de tomber, dommage, je t'ai pas filmé, je t'aurais fait un ralenti. J'ai glissé sur ça. Attends, wait, c'est quoi ça? Je rêve ou c'est du gâteau? C'est par terre ici. Attends, c'est pas le gâteau que Chris et Catherine étaient censés aller chercher là dans la salle des profs? Bonne question. Non. Ils l'ont peut-être laissé tomber. Non mais c'est pas normal. Hein. Ça se fait, je sais pas, il y a peut-être un surveillant dans l'école ou quoi et ils ont dû courir, je sais pas. Mais pourquoi alors ils ont pas répondu à nos messages? Ils auraient dû nous prévenir s'il y avait un problème. Pourquoi ils répondent pas? Vas-y, viens, on va les chercher là. Mais bon, ils me saoulent. Mais où est-ce qu'ils peuvent être? Attends, t'as remarqué que les portes, elles sont fermées? Ils sont pas fermées, ils sont barricadés carrément. C'est pas normal, ouais. Ça, on est d'accord? Là, ça commence à puer un peu. Attends, non, c'est obligé, ça. C'était pas là tout à l'heure, si? Attends. En tout cas, pas à l'entrée principale. Ouais, non mais... Oh, mais c'est quoi ce bordel? On est enfermé dans l'école? Je commence à m'inquiéter là. Attends, il faut qu'on trouve. Faut qu'on trouve Catherine et Chris. Allons voir à l'étage. Oh, Chris. Oh, t'es là, Chris. Oh, les gars. Faites attention. Faites pas de bruit, on n'est pas tout seul dans l'école, il y a un taré. Il se promenait avec un couteau. Il m'a touché. Donc il faut s'enfuir. Quoi? Comment ça? Un taré avec un couteau qui t'a blessé? Mais ouais, tu saignes, mon pote, là. Oh non, mais on peut pas sortir. Il y a toutes les sorties, les voies de secours, là. Ils sont toutes barricadées. On ne peut pas sortir de cette école. On est enfermé ici avec un psychopathe. Mais elle est où, Catherine? Catherine? Je sais pas, on a paniqué. Je l'ai perdu de vue. On a dû partir dans des directions différentes. Oh bah merde, c'est toujours elle. Bon, du coup, il faut la retrouver. Mais toi, t'es qu'un poids mort, donc je sais pas, on va te cacher aux toilettes. Va te cacher dans les toilettes et enferme-toi. Le temps qu'on la retrouve, on viendra te chercher. Ah non, mais il a trop raison, Harry. Chris, faut vraiment que t'ailles t'enfermer dans les toilettes. Et on te prévient, dès qu'on a fini de régler la situation, là, on va trouver Catherine, elle doit être en danger, la pauvre. Et je sais pas ce qu'on va faire, on va essayer on va appeler de l'aide ou quoi. Mais vas-y, va aux toilettes. Ok, je vais aller bouffer mon morceau de pizza aux toilettes, du coup. Je vous dis à plus tard. À tout ça. Bon, Harry, notre mission n'est pas finie. Faut qu'on trouve Catherine avant que quelqu'un d'autre la trouve. Ou bien, il l'a déjà trouvée, je ne sais pas. Mais il faut qu'on y aille. On n'a pas encore entendu de cri, ça devrait le faire. Mmh. Ah. Mais c'est Catherine, ouais. Elle est toute seule. Mais attends, elle est blessée ou c'est moi? Elle saigne. Catherine, ça va?
Ah, il s'est cassé. Ouais, trop bien, Harry, je crois que tu l'as blessé. Et il s'est barré. Ah oui. Catherine. Ah, qui boitait. Est-ce que tu vas bien? Non, ça va pas, regardez mon genou, tout est raflé là, j'ai mal. Oh là là, il est complètement taré, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec sa grosse hache là, mais il est complètement fou, on a voulu partir avec Chris et puis je sais pas, j'ai perdu Chris de vue et je suis venue dans le gymnase, sauf que il est fermé, le gymnase on peut pas sortir par la voie de secours. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas c'était qui ce grand malade, mais c'est vrai qu'il y a toutes les issues qui ont été condamnées par je sais pas pourquoi. Mais je l'ai vu sortir par là-haut, donc je pense qu'il doit y avoir une ouverture ou je sais pas, il a dû ouvrir, donc on va juste repasser par là-haut, mais avant il faut qu'on aille chercher Chris qu'on a laissé dans les toilettes. Et vas-y Harry, aide-la à se lever et puis on y va. Allez go. Je suis, mais alors là, je suis complètement déçu de votre comportement, et vous savez pourquoi? Non, on voit pas du tout, monsieur le directeur, de quoi vous parlez? Selena, arrêtez de me prendre pour un imbécile. Vous savez très bien que votre petite virée nocturne a fini en catastrophe. L'école était vraiment dans un sale état lorsqu'on l'a retrouvée ce matin. Et tout ça parce que votre virée nocturne, là, je sais pas ce qui s'est produit... Mais vous avez de la chance, hein, parce que la police, quand elle est venue, elle a été d'accord de me laisser gérer ça en interne. Et si je crois votre petite histoire de clown tueur, c'est uniquement parce que les caméras ont pu le filmer. C'est tout. Mais du coup, monsieur le directeur, vous avez retrouvé le clown tueur là ou pas? La police a fait tout ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas pu retrouver les traces du clown. Ils ont essayé de suivre les taches de sang au sol... Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à suivre. Donc non, le clown n'a pas été retrouvé. Mais je pense que c'est juste une histoire de temps avant que la police retrouve ses traces. Un taré pareil, ça doit pas être très très loin. Monsieur le directeur, je vais pas vous infortuner, mais est-ce qu'on peut y aller là? On ne dit pas infortuné, mais importuné. Allez-y. Je veux plus vous revoir avant l'année prochaine. Allez, sortez là, oust de mon bureau. Vas-y, cette histoire de clown, là, moi, je suis pas sereine à commencer mes vacances avec un clown, là, qui se balade et qui a essayé de nous tuer hier soir. Oh, mais t'inquiète, si le directeur l'a dit, ils l'ont vu sur les vidéos, donc si les flics, ils ont vu ça, ils vont sûrement faire quelque chose. Ça passe pas inaperçu, un clown comme ça, mais ça doit être pris au sérieux, quand même. De toute façon, je pense pas que le clown, il va revenir. Ce serait idiot de revenir au même endroit où il a commis ses crimes. Ah, t'as sûrement raison, hein. Je pense pas qu'il va, revenir au même endroit, ce serait complètement stupide. Bon, moi, c'est pas que je n'aime pas les gars, mais j'aimerais bien quand même profiter de mes vacances, là, et rentrer chez moi. Donc, moi, je vous laisse, amusez-vous bien, de toute façon, aussi en courant sur le groupe Discord. Vas-y, ciao, les gars. À plus, à l'année prochaine.